駆け落ちなくしてしまった最後のコンポーネント探して遥かな星をたどり虹色に染まる空の果て sur une terre assez aride avec de la lave partout. Vous voyez un bâtiment tout au-dessus. Et c'est enfin attendez, il faut que je vous montre le bâtiment déjà. C'est il est en bas hein, le bâtiment une seconde que je le révèle. Oui, parce que là l'ai révélé. OK, je dézoome. Vous voyez ce bâtiment vers le haut, enfin vers le volcan. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Bah là, on est en dessous de ce bâtiment ou... On barbote encore dans l'eau ou on est sur la... Oui, on est sur la plage. Moi, il me semblait que vous avez rejoint la terre ferme. Oui, c'est ce que tu as dit en fait. Pas dans la lave. Hein. Non, on n'est pas con. Non, mais c'est bon. On va arrêter d'être. Donc, il y a une cité en haut de ce volcan. Enfin, ça a l'air plutôt d'une base en gros. Est-ce que il y a je sais pas une information, un renseignement, quelqu'un qui saurait que c'est par là qu'il faut passer pour aller au centre de Terracia, ou est-ce que c'est le centre de Terracia? Tu veux pas non plus que je te mette un panneau avec des clignotants dessus? Un panneau de direction Terracia 60 km. On a une boussole. Ça, tu me l'as pas dit, Radial, si vous aviez une boussole ou pas. Bah, c'est surtout, est-ce que j'ai pu récupérer mes affaires suite à l'explosion de notre bateau? Disons que... que l'autre a fait un échec critique et vu que c'était assez pressé, je pense pas que tu aies eu le temps de penser à tes affaires, tu pensais surtout à ta vie. Non mais je dis ça, boussole, c'est rien, mais dans une poche. Vous savez Arthur qui sait faire des champs magnétiques, alors aimanter une aiguille. Non mais attends, j'ai plus de 30 mana. Le couteau suisse, il est rouillé. Allô. Non mais vous avez pas géré, on va rattraper la situation, vous inquiétez pas. Donc soit vous me laissez, on va dire 10 minutes de pause, que je me refasse du yoga pour gagner au moins un point de mana et peut-être que je pourrais faire quelque chose, mais là ça va quoi, là je suis un petit peu... Je sais pas si la cité est hostile ou pas à notre présence. Réfléchissez, moi je me concentre, je fais yoga. Donc vous voyez au loin aussi la bataille entre les... Donc vous supposez que vous êtes au centre de Terracia parce que vous voyez la bataille entre les chevaliers noirs et les chevaliers de la lumière au loin. Okay. C'est assez loin, mais vous voyez quand même que les deux camps s'affrontent et que pour le moment c'est égalité. On repart tout au centre, on recommence.
Donc, tu n'as jamais été dans cet endroit. Tu ne sais pas si c'est hostile ou pas. Tu ne sais même pas si cette base appartient au. Si cette base appartient au Chevalier Noir ou à la Lumière. Tu n'en sais rien. Ou même à une autre civilisation, pardon. On va essayer de s'approcher, je pense, pour regarder un peu de loin s'il y a des uniformes, des choses qui se dessinent. Oui. Est-ce que vous y allez maintenant ou vous laissez Arthur Non, on va tous se reposer un peu déjà des événements qui viennent de nous arriver, je pense. Combien de temps? 2 minutes 50. Parce que là, le temps presse. L'empereur est sur le point d'aller au cœur de Terracia. Donc du coup, bon, est-ce que est-ce que une seule minute suffit que je puisse avoir 2 points de mana? Tu veux marchander? Bah, je suis en plein yoga. Attends. J'étais en plein yoga. Résultat, je fais une réussite critique. Peut-être que une seule minute de yoga. Vu que tu as fait une réussite critique, tu as 5 points de mana en tout. Est-ce que ça te va? Bah, attends. Tu m'as demandé 2. Bah, t'en avais 3. Ah oui, 3 et 2, 5. Ah oui, 5. Bon, bah ouais. Allez. C'est déjà mieux que rien. Oui, tout à fait. Une bonne minute. Oui, parce qu'avec 5 points de mana, je peux vous remettre 100% toute votre mana si ça part en live. Donc, c'est mais pas ils mal. Ont des... eux, ils ont déjà récupéré oui. toute leur mana. Oui, mais si pendant la bataille, ils utilisent plein de trucs dans tous les sens et qu'ils sont HS, je leur dis regroupez-vous autour de moi, je dépense toutes mes manas pour vous. Ok. Et donc, on va faire passer la minute, je reviens. Je veux pas dire, mais mon moment favori, ça a été quand même sous l'eau, quoi, quand même. C'était du grand art. Ah non, mais c'est bien, c'est soit réussite critique, soit échec critique. Oh, moi, je suis de l'extrême. C'est tout ou rien. Et en plus, c'est Prosper qui fait une réussite critique, c'était beau, ça. Je crois que ça a soufflé tout le monde, quoi. Non, je crois que le moment favori pour le moment, c'est surtout quand Phaser a cassé le générateur. Bah, ça fait l'ensemble, c'est sous l'eau. Oui, mais c'est surtout ce moment-là. Oh, l'échec critique. Ouais. Je crois que j'ai fait bêtise. Attends un peu quand toi tu vas faire des échecs critiques. Oh non, mais c'est bon, je sais que je vais pas avoir une seule réussite pour le moment. Puis, de toute manière, les garçons sont revenus. Où est-ce que tu vois que j'ai faire des réussites? Tant mieux. Merci. Non, mais c'est bien. Le JDR commence par des réussites critiques. Et forcément, au moment où ça allait déraper. Hein. Parce que j'étais prête à utiliser ma petite musique de Game Over. Hein. Et après, on se demande pourquoi je suis jalouse, moi. Ah là là. Voilà, je suis ressorti de ma méditation. Ça a été long. Ah ben, c'était la minute de méditation pour non, que non, je. 2 minutes, là, c'est 37, et t'es parti à 35. Ah d'accord, que je travaille, que je travaille. Non mais que je travaille sur mon irresponsabilité de faire des trucs what the fuck. Voilà. Allons-y, je vous suis, compagnon. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez, que Arthur s'est reposé. Ben, vous lui avez même pas dit merci hein, en plus. Hein. Ben non, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. C'est pas grave. Et quand c'est Morgane, tu critiques comme c'est pas permis. Le foutage de gueule. Ben voilà, c'est comme ça. Non, mais enfin bon, moi je vous suis. Ben on va parce qu'a priori on va dans la direction où il y a la base. De toute façon, on va aller vers le bâtiment. Bon, on va aller ouais, vers les bâtiments, mais on va pas rentrer directement dans la ville. Je pense qu'on va surveiller la ville de loin et sur de voir ce qu'il y a. Attends, s'ils ont des armures. Et surtout, si on peut trouver un autre passage. Moi, je pourrais essayer de passer par notre passage. Donc, on s'y approche. Très bien.
Mais faudrait que tu me dises lorsqu'il sera à portée de tir. À portée de tir, c'est tu veux utiliser une flèche pour TP Pour savoir où je suis lorsque ce sera la portée suffisante. Je vais te décrire ça. Tu as une sorte d'escalier qui va jusqu'au bâtiment, c'est-à-dire comme ça en diagonale. Mm-hmm. Et tu as une espèce de couloir qui se dirige vers le bâtiment en question. Ouais. Et le bâtiment, tu l'observes, hein, c'est ça? Oui, on l'observe tous, oui. Oui. Donc du coup, ce que vous voyez, c'est que il est possible de monter encore plus haut, c'est-à-dire jusqu'au volcan qui est tout au-dessus, avec un ascenseur. Mais l'ascenseur semble être à l'intérieur. Enfin, vous avez vu l'ascenseur monter et puis quelques instants après redescendre. Donc vous avez supposé que c'était qu'il est possible d'aller plus haut. Enfin, c'est ça que vous avez remarqué. Ensuite, tu veux TP où exactement là t'es en bas des escaliers. C'est ce que je. Ça, on ne peut pas y accéder non plus, normalement. Normalement, tu dois rentrer dans cette espèce de couloir pour pouvoir accéder au bâtiment. Essaie tous d'aller là, non? Je vais essayer d'atterrir, ici, c'est derrière une paroi, si on voit personne. Comme ça. Ça fera toujours beaucoup moins loin à tirer que si j'essaie de tirer là, quoi. Oui. Bah attends, on n'essaye pas tous d'y aller à pied, là? Parce que là, tu... Non, vous serez obligé d'entrer par là, donc je vais essayer de voir un peu ce qui se passe par ici. Le truc, c'est que... Oui. Tu es sur les toits, donc tu n'as pas vu de fenêtre. Non, mais... Il y en a une qui s'étouffe. Je pourrais descendre là. Oui, tu pourras descendre vers le couloir qu'ils peuvent emprunter. Non, d'accord, mais... Mais là, on voit, je sais pas, il y a pas des entrées, quelque chose par là, par cette fenêtre là. Voilà. Tu ne vois pas de fenêtre, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ah d'accord. C'est vraiment au-dessus. C'est renfermé. Et il y a... Seule entrée serait vraiment au-dessus, là. La seule entrée, c'est pas vraiment l'entrée principale. La seule entrée principale, c'est là. Et ouais. La seule entrée non principale, ce serait ici. Ah, toi, tu veux faire l'infiltration. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que cette plateforme-là est totalement inactive. Attends, je t'explique. Déjà, quand l'ascenseur est monté, c'était une trappe. Donc, du coup, elle s'est refermée quand l'ascenseur... Ça s'ouvre uniquement quand l'ascenseur arrive, quoi, en gros. Oui, mais ça se dégomme. Mais à part ça... Mais, Radek, tu veux faire de l'infiltration ? À part ça, tu ne vois pas de fenêtre. D'accord. Mais ça voudrait dire que toute la plateforme ici sera inaccessible ? Mais sauf de l'intérieur. Ben oui. Donc, si c'est... Oui, mais non, là... Ce point-là, oui. Ce point précis. Oui. Est-ce qu'il serait accessible? Ça veut dire qu'il serait inaccessible. Ah non, mais tu peux aller là si tu veux. Non, mais si eux veulent aller là, ils feraient comment? Nous, on peut pas. On doit aller là. Puis après, on va aller là. Ils peuvent pas. Donc c'est un endroit inaccessible à la base ici. Pour nous, parce qu'on n'a pas la flèche. D'accord. Après, on se retrouverait à l'intérieur là. Si on arrive à ouvrir la porte là. L'idée est de pas entrer par le truc principal. Enfin, Oui, toi, tu passeras en infiltration, tu nous ouvres une petite porte quelque part et... De toute façon, je vois pas de fenêtre, mais je vois pas ce qu'il y a derrière non plus, donc j'ai envie de tenter le coup en me TP ici. Ok. Donc, 2 secondes, Radiel, tu... Radiel, te foire pas parce que... Ça fait... Donc, ça te ferait 9 points de mana. 2 secondes, j'enlève ça. Enfin, j'enregistre ça, pardon. Et tu vas me faire moins de 50. Vas-y. Parce que si je tire à côté, il y a un problème. Bon, t'es pas arrivé à l'endroit exact. Mais t'es pas dans la lave. Non, il n'est pas dans la lave, je confirme. Tu tires une flèche, mais tu l'as... Enfin... Tu as mal calculé ton coup, c'est-à-dire qu'elle est... Tu es haute sur le... Enfin, t'es sur le... Enfin, t'es pas dans le couloir, mais tu es au-dessus.
tu es ici, quoi, sur le... T'es sur l'espèce de... C'est pas un tuyau, mais c'est... Un couloir. Ouais, c'est au-dessus, le plafond, quoi. Voilà, enfin, t'es au-dessus du couloir rond, et nous, on est à l'intérieur. Ça s'escalade pas, ensuite ? Quoi ? Ça s'escalade pas ? Tu peux le faire... Bah, voilà. Oui, tu peux escalader comme ça, hein, y a pas de souci. Et nous, pendant ce temps-là, on est dans le couloir, là ? Et Arthur et Phaser, qu'est-ce que vous faites ? Vous entrez dans le couloir, ou bien vous faites autre chose, ou qu'est-ce que vous faites ? Je sais pas, on va peut-être essayer de suivre Radiel pour... au cas où... Vous pouvez pas me suivre. Non, mais toi, t'es ici. Si nous, on arrive ici que la porte et que la porte est fermée, peut-être que toi, en infiltration, t'arriveras à nous ouvrir. Si tu réussis. De loin, là, comme ça, on peut pas voir des soldats. On va voir s'ils sont du côté de... des méchants ou... Pour le moment, vous n'avez vu personne. J'imagine que c'est pas une bonne idée de toquer à la porte. Bah ouais. C'est pour ça que on va... Je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée, mais quelle conne. Pardon. Donc on va attendre que Radiel fasse sa phase d'infiltration pour nous ouvrir la porte. Et s'assurer qu'il n'y a personne derrière la porte. C'est quoi notre objectif d'infiltrer cette base du coup ? Prendre l'ascenseur pour monter. Bah, de savoir si on peut entrer dedans sans mourir. Aussi. Et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne sert à quoi aussi. Radiel. De pas mourir. Radiel, tu. Une fois que tu es ici, donc tu vois ma flèche. Oui. Tu vois une sorte de trappe ici, à tes pieds. Tu regardes ce qu'il y a en bas, mais oui. tu ne vois pas de garde en fait. Tu vois juste la porte. Et enfin, tu vois qu'il y a personne de potentiellement dangereux. Bon, très bien. Ben, dans ce cas, je vais descendre par la trappe et je leur ouvre la porte, c'est ça ? Elle est entre nous, la porte ? Tu peux faire ça, oui. Ben voilà. Donc, vous vous retrouvez à l'intérieur du bâtiment. Il est vide. Vous êtes assez étonné de voir qu'il n'y a personne, ni des chevaliers de la lumière, ni ceux de l'Empire. Oui, surtout qu'on a vu un ascenseur fonctionner tout à l'heure. Oui. Ouais. Bah, peut-être que les derniers sont partis avec le dernier ascenseur. Vous avancez, ça a l'air d'être une base, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous arrivez jusqu'à des escaliers qui montent. Des longs escaliers. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au-dessus. Enfin, vous êtes au pied de l'escalier. Et deux secondes, je cherche l'image. Bon, évidemment. Ah voilà. Vous voyez quelque chose que vous ne pensez pas que vous... Enfin, vous auriez pas cru ça, quoi. Vous voyez... Il y a la pieuvre qui arrive. Pardon, je me suis trompée de musique. On voit la pieuvre qui débarque. Je vous ai fait peur, avouez. La pieuvre qui débarque. Du coup, j'ai pas de musique pour ça, donc on va C'était prendre celle-ci. C'était pas Horis. On va prendre celle-là. Vous voyez Morgane et Léliana qui sont tout au-dessus de l'escalier et qui vous regardent. Ouais. La seule différence, c'est que vous remarquez qu'elles ont toutes les deux une armure différente d'avant, c'est-à-dire... une armure de chevalier noir. Ouais, j'en étais sûr, elles ont été retournées par l'empereur. Oh, putain. Et elles se sont fait laver le cerveau. Phaser, crame-les. Elles n'ont pas l'air offensives. Enfin, elles n'ont pas l'air d'être là pour attaquer. Et elles ont toutes les deux l'air de... Enfin, elles ont l'air de...
de deux personnes qui ont subi un véritable cauchemar et qui s'en remet petit à petit. C'est, vous voyez ce, enfin, elles ont l'air de ça, quoi. Et vous les entendez dire toutes les deux, nous vous attendions. Mais il y a un rubis ou un truc qui les contrôle ou... Tu ne vois rien de tout ça. Le roi de Barre vous attend en bonne santé. Si on les tue maintenant... Bah on peut déjà savoir ouais, comment elles se sentent. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas diplomate avec les humains, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, ouais, est-ce que... avec les animaux... Bah ouais, tu vois, comment c'est... Ouais, bah, ça, ouais. Ça marche tellement mieux, bah oui. Mais elles se sont fait retourner le cerveau, ou elles se sont passées du côté obscur Bah, demande-leur. Je suis pas le meilleur placé pour le dire, mais... Pourquoi avez-vous ces armures, mesdames? Tu connais l'infiltration? Ah, ça me dit quelque chose. Oh, bon. Pas sûr que tu le maîtrises, mais bon. Non, Radial, lui, il maîtrise. Moi, chauffe des vies. Chacun son truc. Quoi qu'il en soit, on n'a pas vraiment le temps de parler. C'est quoi, du coup, elles auraient pu nous ouvrir. Elles savaient pas qu'on arrivait. Bah, elles nous attendaient. Quel est votre plan? On savait que vous alliez venir, mais par quelle entrée, ça c'est autre chose. Il n'y en a pas 40, d'accord. Il n'y en a pas 40 parce que t'as pas visité la base. Donc c'est quoi le plan? Vous avez pas de caméra? Non. Ça n'existe pas encore. Bon, au lieu de vous chamailler là, c'est quoi le plan? Oh, un Picasso. Ah non, il n'a pas encore été dessiné. Non, c'est juste un gamin qui a peint en fait. C'est bon, Radiel qui a peint, pardon. C'est un merde. Morgane, Liliana, oui, quel est votre plan? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? En gros, ce qui se passe, c'est que l'empereur veut non pas détruire le cœur comme tout le monde semblait le penser, mais plutôt le contrôler. L'absorber. C'est mieux? C'est moins pire? C'est-à-dire le contrôler? C'est-à-dire que si jamais il absorbe le cœur, il va faire en sorte que les ombres, le mal, les ténèbres, ce que vous voulez, envahissent le monde entièrement. Il ne restera strictement rien. Et il deviendra un dieu à la place de Fenarel. Et tous les chevaliers de la lumière disparaîtront. Comment ça se contrôle, un cœur? Avec un pacemaker. Comment se contrôle le cœur? Ah. Oui, vous savez comment se contrôle le cœur? Comment il va faire, techniquement? Alors, comment le contrôler? Non. Par contre, on sait quel est le moyen de l'empêcher de le faire. Ah. Ah. Quel est ce moyen? Il n'y en a qu'un et ça ne va pas vous enchanter. Mais ça ne va pas détruire le monde pour autant. Expliquez. En termes assez simples et assez rapides, il faut détruire le cœur. Ah. Et en termes techniques et compliqués? Alors, faut détruire le cœur pour éviter. Non. Oui. Non, rien ne sera détruit. Tout repartira à zéro. C'est l'équivalent de tout sera détruit, ça. Pas vraiment. Tout le monde sera toujours vivant, on arrivera exactement au même point. Est-ce que. Il n'y aura ni ombre ni ténèbres, il n'y aura plus rien à ce niveau-là. Vous aurez les vies que vous n'avez pas eues si... Il n'y aura plus ni la faction des ténèbres, ni la faction de la lumière. On redeviendra... Vous aurez la vie que vous auriez dû avoir si vous n'aviez pas été chevalier. C'est ça, le renouveau. Donc en gros, on avait peur que le gars fasse ça. Mais en fait, finalement, il va faire pire, donc on doit faire ça. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai compris aussi. Et donc, il n'y a aucun inconvénient à péter le cœur? Bah, sauf qu'on sera plus chevalier de lumière, on sera... Bah, moi, je retournerai dans la forêt non, à parler aux écureuils. Voilà. Et comment, et comment se détruit comme Et comment on détruit le cœur? Ça,
Pour c'est Liliana qui te répond, Radiel. L'une des deux déesses peuvent le faire. Et pourquoi ne l'ont-elles pas faite jusque-là? Les occasions manquaient. Et l'occasion, c'est nous qui allons la fournir? Mais ça dépendra de vous, en effet. Et peut-être que les déesses, elles ne voulaient pas détruire le cœur parce qu'elles voulaient rester déesses et pas retourner en état normal. Donc maintenant, elles n'ont plus le choix. Mais, enfin, je dis ça... Elles vont perdre leur statut de déesse? Bah, tout le monde va perdre tout ce qu'il est. Oui, enfin... Donc je pense que les déesses ne seront plus déesses une fois que le cœur sera détruit. Peut-être pour ça qu'elles ne l'ont pas fait. Je peux peut-être essayer de contrôler. C'est comme pour emmerdant, ça se pose là quand même. Et si j'essaye de contrôler le cœur? Quoi, tu veux le faire cuire? Je dirais, j'aime bien le manger. Ah mais c'est vrai, essaie de le contrôler, tu vas le péter. Je ferais bien une omelette. Et ensuite, il va arriver, j'ai fait un truc, je l'ai pété. J'ai pété. Oups, et là, t'as le cœur qui détruit le monde. Il y a eu un petit bruit. Les garçons. Oui. Vous souvenez-vous de la légende au sujet des déesses? Oui. Ah, non. Elle a été dite au tout début. Ah bah j'ai oublié, tu sais, je m'appelle Arthur. Hein. Déesse qui avait été... Et ah oui. De l'autre côté. Elles ont été séparées. Oui. Et c'est tout cela est à cause de Fenarel, leur père. En gros, détruire le cœur, c'est le seul moyen pour elle d'être ensemble. Réunie. Mais oui, elle a été bannie. Donc elle-même, en fait, toutes les deux cherchent vraiment à péter le cœur. Mais quelque chose les en empêche. On sait quoi? Fenarel d'un côté, après c'était l'empereur. Et maintenant, si nous on pète le cœur, elle se retrouve. Et qui a une puissance suffisante pour contrecarrer les volontés de deux déesses? Le dragon. Ah non, pas pour. Non, il avait. Quoi? J'avais anticipé une mauvaise fin de phrase en fait. Dans un premier temps, on devrait déjà au moins essayer d'arrêter l'empereur. Qui vous a parlé de détruire le cœur et est-ce qu'ils n'ont pas donné des conseils supplémentaires? Je prends ça pour un nom. Oui, on dirait que... Bon, allez, Liliana, on va péter la gueule à l'empereur. Liliana a l'air d'hésiter de vous dire ça, puis elle s'avance et... Je serai franche. Ah. Nous sommes toutes les deux les réincarnations des deux déesses. Ah. Qui est qui, du coup? Je suis la réincarnation d'Elgara et ma sœur Morgane est la réincarnation d'Andraste. Vous êtes réunis, alors? Ça a été les retrouver. Andraste, c'est la celle de nuit, c'est ça? Celle de ténèbres, oui. Ouais. Celle de ténèbres. Qui a été bannie. Ok. Mais c'est pas con ce que tu viens de dire. Elles se sont enfin réunies, donc pourquoi couper le cœur pour qu'elles se réunissent alors qu'elles sont réunies? Nous ne serons jamais ensemble tant que l'ordre existera, nous pourrons être ensemble. Les liens familiaux sont interdits au sein de l'ordre. Ah bon? J'avais prévenu, hein. Je l'ai dit au début, mais ça, si vous n'écoutez pas, j'en peux rien. Ah ben, on a le droit aussi de ne pas avoir beaucoup de mémoire. Non, mais c'est le sens du mot réuni, du coup. Oui. Mon but est simple. C'est Liliana qui parle. Vous voyez que son... Elle jette un coup d'œil à Morgane et son visage s'adoucit. Mon but est d'apporter un avenir à ce que j'ai de plus cher. Non seulement je libère le monde de la lumière et des ténèbres pour qu'il devienne un monde neutre,
et nous ne serons pas influencés par une faction ou l'autre. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites ? Je peux vous laisser un point strat si vous voulez, à tous les trois. Je me méfie de ta musique point strat. Non. Bah, moi, j'ai répété la gueule à l'empereur. On va hein, ouais. dire sur la politique. le faire, c'est les deux DS. Hein. On va pas pouvoir dire non. Bah, disons que. On pourrait ne pas. Oui. Dans tous les cas, faut qu'on empêche l'empereur de faire ce qu'il veut avec l'œuf. Avec le cœur. Ouais, déjà, on pète la gueule à l'empereur. Et faudrait essayer de se renseigner, de savoir qui peut nous dire comment détruire le cœur aussi. Mais alors pourquoi non, mais on attends. Le cœur pour l'empêcher ? Non mais chaque chose en son temps. On pète la gueule à l'empereur et puis après on fait le point strat sur on casse le cœur ou pas le cœur. Bah justement, ça peut être plus simple de détruire le cœur, mais plus rapide. Ah, c'est pas con. Pour atteindre le cœur... Et en plus, moi, n'importe qui peut le contrôler, pas forcément le... Pour atteindre le cœur, il ne peut pas y accéder, c'est un mortel, mais il aura besoin de nous, de Morgane et de moi, pour l'atteindre. Mais en pensant, on détruit les vies de tout le monde, enfin un reset total en fait. On détruit les vies de personne. Attends, voilà, a priori on ne tue personne, on fait simplement un reset du statut de chacun. Non mais si je comprends bien, c'est comme si tu... Ben c'est comme si un chevalier devenait. Ligne de temps qui était là et tu l'as détruit pour revenir en arrière pour créer une nouvelle ligne de temps. Et... C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et en attendant, c'est toujours vivant. Tu es sur une autre ligne de temps. C'est ton double sur la ligne de temps parallèle qui sera vivant. Mais non. C'est juste ce que tu as vécu est annulé, mais c'est toujours toi. Ben oui, c'est toujours toi. Et les familles ne seront plus détruites ni par l'ordre ni par l'Empire. C'est comme tu retournes dans le passé parce que tu connais les chiffres du loto, tu deviens millionnaire, tu seras millionnaire dans ta ligne de temps, mais tu seras dans ton statut. De toute façon, on n'a pas vraiment dans ta ligne de temps. Est-ce que c'est bien ou pas, puisque si on veut pas, on a deux DS contre nous. On va éviter ça. Par contre, j'aimerais bien connaître sous cette forme, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir, les DS ? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas nos pouvoirs à 100% comme... D'accord. Comme apparemment, enfin t'as compris. Mais comme vous avez pu le voir, à Céleste, vous avez pu voir mes capacités et qui restent assez... Je peux défier l'Empereur, s'il faut. Et Morgane, la déesse Andraste a été éveillée en elle récemment. Donc, ses pouvoirs restent immenses aussi. Mais pas autant que si nous étions 100% des DS. Nous restons des mortels, après tout. Si je fais un bouclier comme sous l'eau, est-ce que ça nous permettra de nous protéger et d'atteindre le cœur ? Peut-être pas la solution à tout le bouclier. Peut-être. Non, bah, je pose la question. Vous pouvez nous téléporter ? Je pensais à quelque chose d'autre. Je pensais plutôt à... J'avais un plan, mais après, si vous avez quelque chose de mieux à proposer, je ne serais pas contre. Nous pensions vous présenter à l'Empereur comme étant de nouvelles recrues. Vous ne seriez pas les premiers à refuser l'Ordre de la Lumière pour... l'Empire, que ce soit pour la gloire ou pour autre chose. Donc, nous pourrions atteindre le centre du volcan, car c'est là que se trouve le moyen d'aller au cœur de Terracia. Mais il aura besoin de Morgane et de moi pour ouvrir le portail. Sans ça, il ne peut pas accéder au cœur. Sans nous, il ne peut rien faire. Donc, Et vous avez prévu de vous cacher ?
De nous cacher, c'est-à-dire ? Bah, si l'empereur a besoin de vous, il suffit que vous vous cachiez hors de sa portée et de sa vue pour être sûr qu'on n'ait aucun souci. Je pensais surtout à ce que Morgane et moi allions une fois le portail ouvert, qu'on irait à l'intérieur du portail et que nous détruisions le cœur rapidement, avant que de nombreux dégâts et de nombreux morts se déclencheraient. Oui. Pouvez-vous vous téléporter ? Non, je n'ai pas cette capacité-là. Qu'est-ce que vous faites, messieurs ? On suit leur plan. On se fait passer pour les bras droits de l'empereur. Elle nous amène au cœur. On tue l'empereur. On pète le cœur. Et tout le monde se retrouve comme des paysans. Pas vraiment des paysans. Non, mais... je dis ça. Moi, ça me va, hein. J'irai parler aux écureuils dans la forêt, comme avant, tranquille. Ça, t'en sais rien, mais bon. Il y a la grande gare qui est derrière. L'empereur, on ne sait pas exactement où il est, là. Il est à l'étage. Enfin, il est au centre du volcan. Il y a un ascenseur qui permet d'y accéder. Bah, de toute façon, c'est ce qu'elles avaient proposé. C'est de nous amener près de l'empereur pour nous faire passer pour des alliés de l'empereur. Une fois là, est-ce que... On a besoin de prendre le temps de nous faire passer pour des alliés. On peut pas l'attaquer directement, du coup. Bah, c'est plus facile pour l'approcher. Une attaque par surprise sera plus efficace. Je sais pas, t'arrives devant un mec, on est là pour on est là pour bosser avec vous, tu sors ton sabre et tu lui tranches la tête. C'est beaucoup moins dangereux, surtout. Bon, on peut commencer la première partie du plan. Ok. C'est la première partie la plus dangereuse. On s'approche de l'empereur, on tue l'empereur et puis après on voit. On peut pas contacter les dragons pour qu'ils viennent attaquer aussi cet endroit-là ? Parce que là serait le moment. Ça prendra du temps avant qu'ils arrivent. Autant les appeler maintenant, du coup. Ils étaient sur le chemin, hein, faut pas oublier. Tu peux faire ça, mais ça prendra un certain temps avant qu'ils arrivent jusque-là. Parce que, voilà. Mais tu peux le faire parce que nous, on va peut-être rater. On synchronise, on les appelle maintenant. On va les ralentir, au pire on meurt, mais au moins il y aura les dragons qui seront... On synchronise le truc, on les appelle. On est pas limité dans le temps, puisque tant qu'ils vous ont pas trouvé, ils pourront rien faire. Oui, puisqu'il peut pas atteindre le cœur tant qu'il n'est pas avec vous deux. Donc on peut les attendre tranquillement. Donc on synchronise le truc, on appelle les dragons et après on s'approche Sauf que l'empereur risque de trouver ça un peu étrange. Il risque de soupçonner quelque chose si on ne revient pas tout de suite. Oui, de rappeler à l'ordre les deux. C'est pas notre problème. Ah oui, il sera pas content et donc qu'est-ce qu'il va faire De toute façon, c'est déjà notre ennemi. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire de plus ? Après, il s'attend à ce que vous coopériez avec son plan ? Pardon, j'ai pas entendu. C'est quoi le problème s'il soupçonne ? J'ai pas compris. Eh bien, disons qu'il comprendra que nous ne sommes pas vraiment dans son camp. Parce que jusque-là, il croit que vous êtes dans son camp, que vous allez lui offrir gratuitement la puissance éternelle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai compris. Dans ce cas, pourquoi vous avez besoin de nous ? Parce que là, il sait bien que vous êtes les DS, c'est ça ? Il vous prend pas pour des... Non, il sait qui on est parce que c'est grâce à nous qu'il va pouvoir atteindre le cœur. Et pour... D'accord. Bah,
en gros, si l'empereur détruit le cœur, c'est le mal. Oui, qui absorbe le cœur, c'est le mal qui règne sur voilà, qui règne sur Terracia. Si c'est nous qui détruisons le cœur, il faut que ce soit une déesse. On fait un reboot, ouais, ou les déesses là, ça reboot. Mais en gros, si vous faites donc rien, si le rien voilà. Faire. J'ai pas entendu Phaser. Si, vous, oui, c'est... Oui, c'est si ça. Vous ne faites rien, il pourra rien faire le l'empereur. Mais qui te dit que l'empereur a pas rien, en fait, comme ça, personne ne risque rien en fait. Mais qui te dit que l'empereur a pas le pouvoir de manipuler des gens pour qu'ils fassent ce que lui veut. Ah, justement, j'allais en venir à là. Comment il pourrait faire l'empereur pour les obliger justement à ce qu'elle l'aide ou que tu vois pour les parce qu'elles ont aucun intérêt à toucher au cœur, quoi, au final. Du coup. Enfin, si, elles veulent se réunir, mais... Oui, elles ont double intérêt. Si elles pètent le cœur, elles se réunissent, et en plus, tout mais ça, le monde reste l'ignore. Neutre. Tout le l'empereur monde l'ignore, nos plans, Morgane et moi. Après, si elles ne n'aident pas l'empereur... Il est où exactement, l'empereur, là ? À l'étage, avec l'ascenseur. Au centre du volcan. C'est là que se trouve le portail. Et là, ils sont en train de t'attendre. Et là, ben, l'empereur oui, attend les filles. Oui, oui. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux se dépêcher, quoi, en gros. Pourquoi ? Parce que l'empereur attend les deux filles. Là, par exemple, si jamais on le fait attendre... Ben, il risque de se méfier. Et alors, si... Mais il nous laissera pas accéder au cœur. On aura parce que vous avez besoin de lui pour accéder. Non, tu ne comprends pas. Non, une fois qu'on aura ouvert le portail, il fera en sorte que nous on puisse pas y aller. Vous nous servirez plus ou moins de diversion, le retenir. Lui peut ouvrir le portail. Non, il peut pas ouvrir le portail, c'est bien ça. Non, mais de toute manière, il viendra nous chercher. Et pourquoi les vous aviez attendu jusqu'à maintenant pour essayer de détruire le cœur ? Parce que... disons que les événements ont fait que les choses ont été révélées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Mmh. Et peut-être qu'il y avait... Vous pouvez pas attendre quelques centaines d'années le temps qu'il meurt et... Non, mais je demande. Vous pouvez pas attendre quelques centaines d'années le temps qu'il meurt pour faire ça dès qu'il sera plus là ? La guerre continuera. Et il y aura des morts. Ouais, là, tu balances une guerre de 100 ans, là. Oui, mais de toute façon, comme ça reset tout... Hein. Ouais, mais ça reset sans mort. Et de toute façon, si on revient dans le temps, comme avec le truc, ça annulera toute la guerre, etc. Il n'y aura pas une mort, en fait. Oh là là. Bon. Oui, c'est de l'espace-temps, là. Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites, là? On spécule. Ouais, là, c'est... Là, ça spécule. Non, bah, allez, décidez. Bah moi je les j'ai envie de connaître un peu la suite, donc je suis curieux, donc je veux les suivre pour m'approcher de l'empereur et si possible lui m'arrave sa tronche pour le plaisir. Moi c'est possible, je contacte les dragons du coup. D'accord, ça marche. Et ouais, on va suivre. Nous ferons plus vite, c'est le chef dragon qui te dit ça. Nous ferons plus vite. Yasuragi no utada mo da karatsuki mo kuno sa.